Allez, c'est parti, finale, loser bracket. Zaggy contre Valcork. Mesdames et messieurs, il faut remonter pour aller tuer Justin. C'est le moment de s'exprimer, celui qui a probablement fait la meilleure courbe de progression de ces dernières années sur Street Fighter 2 X Valcork, avec un personnage considéré comme un véritable lotier. Mais on a vu de toute façon X-Mania dernier, les lotiers, hein, quand c'est joué par des joueurs God tier venus d'autres contrées, et bien ça tuait toute la planète entière. Et l'idée, c'est d'essayer d'arriver à ce niveau-là, ce qui n'est pas facile, on va dire, en France, et ce qu'il fait pour le moment assez bien. Hey, 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 oh les récams, mon dieu, vous imaginez, sortirait pareil dans Street Fighter 4, comment on serait bien, comment on se mettrait bien devant la télé, tu es assis, tu prends une gorgée de coca, le match est fini, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le bon de cette super, elle est bien carottée surtout, hein. Valcork qui a peu d'avantages à la ligne, mais là ça va faire mal, oh, elle a passé derrière, ce qui n'a pas permis de combo parce qu'elle a dû se retourner, son petit point bien. Oh, mais quel culot, mais quel culot! Quel culot de venir choper alors que vous avez vu, il n'y a plus de barre de vie, hein. C'est zéro vital absolu et total de deux côtés. 1-0, Valcork qui va remonter, il a l'écrou, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout, hein. Zargui, le fameux Zargui que l'on connaît tous. Pourquoi il y a le marqué Zargui? Qu'est-ce que c'est que ces noms? C'était si mal écrit que ça sur la feuille. Zaggy qui est donc en grosse difficulté, mais qui applique pour le moment le match-up à la lettre. Et Valcork n'a tout simplement pas à passer à ce jeu. Ça c'est bon, hein, il fait des cash-up, il y a une stop derrière ça. C'est le pire en fait, cette chop quand vous l'avez chopé, c'est pire que quand vous l'avez chopé, quand vous l'avez chopé pas. Hein, quand vous l'avez chopé pas, il ne peut rien vous arriver. Quand vous l'avez chopé, il y a une embrouille, il y a Féon qui vous attend derrière, il est là, en dessous. Hein, comment je vais me le faire là, la retomber? On ne sait pas. Ça peut être très compliqué. Vous voyez, là il passe cross-up avec la batte trop qui envoie directement dans le coin. Et je fais d'aller avec toi là, le pressing. Oh, le pressing, il peut rien faire, Chenille. Elle a réussi à choper, normalement, elle peut rien faire. Le loop il a fini, Chenille n'a pas de reversal. Elle est obligée d'encaisser un coup parce qu'elle est obligée de charger bas pour avoir son reversal que le Tenchon Kaku. Il a voulu décaler le dragon, mais il y a un très bon gros pied de placer ici. Avec Valcork qui décale son dragon, encore une fois, le saut petit point cassé par le stand petit pied. L'obsède d'un kick fort infini qui ne prendra pas l'escroquerie du tic trop. Derrière l'upside down kick, Destrocry n'ira pas. Et là pour le moment il tient le bon la barre en ce moment. Et bien Valcork s'offre une balle de match, veut revenir face à Justin. Loop, 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 loop. Mais ça loupe pas le loop. Et c'est ça qui est bon maintenant, mix la chope. Ah, il rate complètement son utilisable derrière les chopes. Hey, hey, hey. Quand même 3 à 4 de passer avec encore Eku Kaku. La balle est en mix-up. Et là il va le faire rater. Voilà, Valcork a expédié cette finale loser. Et est propulsé en grande finale contre Justin Wong.